Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est ensemble aujourd'hui sur le circuit d'Hockenheim et c'est parti pour une petite course de 10 minutes où on va ensemble parler et découvrir le mode DTM 2001, un grand, grand classique de l'histoire du sport automobile. Alors attention, tout de même, on va essayer de passer le premier goulet. C'est bien passé pour le moment. Nous sommes au volant de l'une des trois voitures disponibles, la Mercedes CLK. Il y a également l'Opel Astra et l'Audi TT, des bolides bien connus qui ont marqué leur temps et qui sont désormais gratuitement disponibles dans Assetto Corsa. Et on se retrouve derrière le champion de cette année-là, Bernd Schneider, l'Allemand qui s'est donc imposé à l'issue des 20 courses qui composaient le championnat. Un championnat extrêmement disputé et relevé, où il ne pleuvait pas encore de pénalité. Ouf. Alors, des voitures qui ont des spécificités techniques, on va les aborder. D'abord, je voudrais vous parler du mode. Il est gratuit, bien entendu. Il regroupe trois modèles et une série de skins initialement issus de l'année 2001, mais vous pouvez trouver des packs pour la saison 2002 et même 2003. Pas beaucoup de changements au niveau réglementation dans cette décennie avec des voitures qui sont restées très très longtemps à l'affiche. Il y a eu des remplacements, bien entendu, notamment au niveau des Audi, les Audi TT qui ont disparu un peu plus tard que les autres, puisque les Opel Vectra sont arrivés pour remplacer les Astra. Les Mercedes CLK ont également évolué pour les classes C aux alentours des années 2004-2005. Mais là, on tombe dans une époque où le DTM renaît véritablement de ses cendres après 5 années d'inactivité, d'inexistence même. Il y a eu le championnat ITC en 96 qui était un DTM déguisé, mais depuis, rien du tout. Et on était resté sur les espoirs de Zach Speed qui avait créé une Opel Calibra full carbone pour la saison 96 et qui n'a jamais couru en compétition. Un exemplaire qui est toujours d'ailleurs dans les locaux de Zach Speed en Allemagne. Alors ici, on est à la bagarre. Ça va être très très chaud, je pense, cette vidéo. Alors vous le voyez, un championnat qui ne comptait pas énormément de voitures. 4 Audi seulement 5 Mercedes et 9 Opel Astra, qui étaient évidemment les voitures les plus représentées dans ce championnat, où le côté constructeur était peut-être un peu plus important encore pour le marché allemand que le championnat pilote. Alors Bernd Schneider est évidemment multiple champion DTM, vainqueur il y a quelques années aussi des 24 heures de Spa. Il a roulé pour Mercedes longtemps en tant que pilote usine, avec notamment la CLK aux 24 heures du Mans et en GT1. Avec Mercedes à l'époque avait quand même de très très belles armes au niveau des pilotes. Alors, l'épingle du fond, c'est un peu serré. Techniquement, en parlant un petit peu de ce mode, en tout cas de ces voitures, trois spécificités de gomme sont à votre disposition. Les pneus tendres, médium et dur. Il y a littéralement une différence sur ces gommes-là, au niveau notamment de l'entrée de virage. Vous l'avez entendu au rétrogradage et vous l'entendrez encore, il y a l'autoblip, l'anti-broyage de boîte, on va l'appeler comme ça, qui vous permet de sauver un petit peu votre boîte de vitesse. L'ABS est aussi dispo, alors pas de niveau d'ABS, on est encore sur du très rudimentaire à l'époque. Les flammes que crache cette voiture sont absolument magnifiques. Et donc ABS tout simplement en on ou en off, on ne cherche pas plus. Techniquement, pas trop de différence entre l'Opel et la Mercedes. On est sur une voiture qui développe 600 chevaux pour un couple estimé à 700 Nm. Par contre, c'est sur la balance qu'il y a une différence. La Mercedes est la plus légère du lot avec 1085 kg, là où l'Astra est la plus imposante, 1,3 tonne. Et entre les deux, on retrouve une Audi TT qui, certes, est au milieu au niveau du poids, mais qui est moins puissante, seulement 515 chevaux pour un couple de 520 Nm. Et ces voitures ont une vitesse de pointe estimée à 265 à 280 km/h selon les configurations. On peut tout régler ici, suspension, roulis, tangage, tout ce que vous voulez. On peut aussi adapter la balance d'aileron, ainsi que la consommation de carburant et le type de pneumatique. Au niveau de la réalisation pure et dure de la voiture, on compte sur des effets sonores absolument géniaux. Je trouve que les trois moteurs donnent parfaitement bien. L'ambiance est là au niveau des bruits de la boîte et du moteur. Alors c'est pas trop marqué en vue intérieure, où c'est assez classique pour le DTM de l'époque. Alors on a un petit comparatif tout de même avec l'extérieur, où en vue télévisée, vous allez le voir durant le montage de la vidéo, on a quand même des plans qui sont vraiment bien réalisés. Le mode, lui, propose des choix de caméra très intéressants qui rappellent les points de vue de l'époque, avec un léger fish eye sur les caméras embarquées.
ouf, et vous voyez qu'il faut quand même se concentrer, là je parle en roulant, au niveau de l'assistance générale de la voiture. On sait qu'on a l'ABS, on n'a pas forcément un traction control qui est efficace, il est encore assez, assez brut de décoffrage, mais globalement, la voiture se laisse piloter avec un petit peu d'expérience. L'IA s'en sort pas trop mal hein, au niveau des premiers virages, c'est toujours très délicat ici dans le jeu, mais pas d'artifice, donc pas d'éléments pouvant poser souci. La réalisation 3D des voitures est vraiment propre, hormis quelques petits soucis de reflet. Vous le voyez, on voit le reflet de la route par exemple dans le pare-soleil à l'intérieur de la voiture. Alors ça peut être dérangeant pour certains d'entre vous. Moi je passe un petit peu au-dessus quand on voit que c'est un mode qui est gratuit. Ça me dérangerait plus sur un mode payant. On peut gérer les appels de phare, la balance de freinage. Bref, la voiture a un petit peu tout ce qu'il faut. On aurait même peut-être du choix au niveau du Motec. Pas d'option à ce niveau-là. Et là je reste tout simplement derrière l'autre Mercedes hein, de l'équipe. Pour essayer d'avoir un petit peu de bagarre avec ce qu'il y a devant, il va falloir remonter et se cracher dans les mains parce qu'on a 6 secondes de retard sur la deuxième voiture. Donc les skins sont très sympas, la modélisation 3D est parfaitement honorable, notamment à l'extérieur, le choix de caméra l'est aussi, et la voiture propose des choses vraiment sympas. Donc boîte à palettes, 6 vitesses et regardez surtout, c'est ça moi qui me donne de réels frissons, des souvenirs, c'est ces flammes qui sortent de part et d'autre des voitures au freinage. Alors ça aussi c'est spécifique à chacun des modèles. Bien entendu, je vous présente ici la version 1.1 du mode. Celui-ci est voué à encore évoluer, encore s'étoffer, à être amélioré. Mais on est déjà sur du pur et dur tourisme. Allez, un petit push quand même pour réveiller l'ami qui est en face. Histoire de le remettre un petit peu sur les droits, sur le droit chemin, sur les bons rails. Et donc, un mode que je vous conseille vraiment. Vous allez avoir un lien Mediafire dans la description. Alors, plusieurs de mes collègues youtubeurs ont fait des tests, des reviews un petit peu sur ce mode. J'en ai vu quelques-unes récentes qui étaient très sympas. Allez, le petit push. On va se réveiller un petit peu là parce que ça revient derrière. Et vous voyez qu'au niveau des pneus, la voiture glisse énormément et c'est très sympa. Un petit peu hasardeuse au niveau du freinage. Je disais donc mes collègues ont fait quelques tests de la voiture et je dois avouer que globalement c'était particulièrement tentant. Ceux qui ont la passion pour les voitures de tourisme connaissent bien cette auto dans un autre contexte, c'est Gran Turismo. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre comme comparatif, mais c'est une voiture que l'on a pu avoir dans Gran Turismo 2 et Gran Turismo 3 à l'époque et qui n'était pas aussi bien réussie au niveau sonore. Bon, je vous parle d'un jeu qui a 20 ans, mais le titre de Bergschneider il date exactement du 7 octobre. Je m'en souviens. Non, je plaisante, j'étais voir. Du 7 octobre 2001, donc il y a exactement 20 ans que ces voitures ont roulé. Et ça ne paraît pas finalement qu'il y a autant d'écart. Et technologiquement, on voit qu'on était à la genèse de pas mal de technologies et que ces voitures qui étaient des silhouettes ont sauvé le tourisme de l'époque. Alors oui, il y a eu quelques années plus tard la réglementation S2000 avec le championnat WTCC. Mais en attendant, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que le DTM faisait encore rêver et on a eu droit à de grands pilotes à cette époque-là. Gary Paffett, Frentzen, Schumacher, Hakkinen, Ralf Schumacher bien sûr, Mika Hakkinen, Jean Alesi qui sont allés testouiller tout ça. Alain Menu qui est allé aussi à l'époque où il roulait encore pour Opel titiller le pavé. Laurent Aiello hein, qui roulait avec les Audi absolument somptueuses, des Audi aux couleurs de Red Bull. Là aussi on découvrait Red Bull hein, il y a 20 ans. En sport moteur, en tout cas en sport mécanique pur et dur. Donc c'est une époque qui trahit, je pense, de bons souvenirs d'enfance où on pouvait encore à la télévision capter les chaînes allemandes et se retrouver à tout hasard un samedi au Salzburgring. Et je voulais vraiment retrouver le vieux Hockenheim des années 2000, mais je ne l'ai pas vraiment trouvé. Et c'est vrai qu'en 2001, là aussi, on a eu cette... ça a été défiguré, hein, littéralement, ce circuit d'Hockenheim et on a découvert le nouveau Hockenheim que j'ai ici, qui est certes avec des tribunes bien vides, mais qui est également un mode gratuit, qui sera proposé en description et qui a été mis à jour en version 1.3 assez récemment et qui est assez intéressant au niveau de ce qu'il propose dans les vibreurs et dans les sensations de piste. Alors, est-ce que j'ai ici un bon run? Pas impossible d'aller le chercher. Alors, l'IA est un petit peu sur sa ligne, hein. Ça c'est délicat. Bien aimé réussi à le passer. Mais la voiture glisse, tout simplement la voiture glisse, parce que ces voitures étaient de véritables bombes. Et voilà, on sortait de 5 ans d'inexistence quasiment du DTM, et la renaissance a fait du bien. Et on avait encore un petit peu peur de sortir du championnat d'Allemagne du pays. Hein. Deux épreuves seulement ont eu lieu à l'extérieur du pays, je crois qu'on est allé à Zandvoort.
de mémoire. Et au Red Bull Ring, à l'époque, le A1 Ring accueillait le DTM, mais pas encore de Spa-Francorchamps. Ça n'aura eu lieu qu'une fois à l'époque en 2005, mais ce n'était plus du tout la même génération de voitures. Et ben voilà, tu l'auras eu celle-là. Allez, à toi mon grand. Et du coup, ça va repasser derrière. Ça va repasser. Alors sachez que les livrées de la saison 2001 sont correctes. Il y a des modes 2002-2003, des packs de skins qui sont vraiment plus sympas. Alors du coup, c'est moi qui me suis fait avoir en voulant pousser l'autre Mercedes. Est-ce que je peux essayer de repasser au freinage? J'ai pas envie de le faire comme un sagouin. C'est vrai qu'au niveau du freinage, là, on sent que je suis un peu trop loin. Alors la pression des pneus que j'ai choisi est peut-être un peu trop élevée. Du coup, je commence à avoir du mal. Ça revient derrière. Alors je ne sais pas si c'est Peter Dunne Brake ou pas. Oh, je suis en train de perdre totalement les pneus. Waouh. Ah, j'ai tout perdu là dans les freins. La voiture était méconnaissable, alors je reprends un peu toutes les bosses qu'il y avait à l'extérieur du stadium, mais là j'ai une véritable patinoire entre les mains. Eh bien dites-moi. Alors, l'évolution de la voiture est plutôt violente. Et notamment sur les freinages. Avec la balance. Alors est-ce qu'on peut revenir rapidement? Je pense que oui, parce qu'on va être moins gêné au niveau du freinage en l'absence des IA. Je suis en train d'écraser littéralement la pédale là pour réussir à freiner un peu de manière dégressive et essayer de rattraper la trinité là qui est partie devant Emmanuel Reuter, hein, qui nous a doublé. Uwe Alzen également, qui nous a passé avec la Mercedes noire. Alors j'essaie de revenir. On était proche d'aller chercher un podium, mais finalement on va peut-être se faire avoir complètement. Alors on est dans l'avant-dernier tour. Mais voilà, globalement, donc un mode vraiment réussi que je voulais vous présenter. Je vais vous présenter quelques modes, hein, dans les jours à venir. Alors, j'ai un peu moins de temps, effectivement, qu'auparavant, pour vous proposer des vidéos suite à mon travail. Mais pour l'instant, je suis un petit peu plus light, je l'admets. Il y aura des choses intéressantes qui arrivent, notamment le test du D248 de chez Thrustmaster, que vous êtes nombreux à me demander et que j'effectue en ce moment. Vous voyez que dès qu'on a plus l'IA devant, on peut freiner un peu plus librement et recoller un petit peu. Alors dans le dernier tour, est-ce qu'on va aller rechercher Manuel Reuter après notre faute du tour précédent ici même? On a rebondi tout simplement sur le vibreur, mais la voiture est devenue sur deux tours très complexe. On sent que les pneus, une fois qu'ils sont chauds, ça va, mais ça donne envie d'attaquer. Et du coup, ça surchauffe et là, je souvire complètement dans le stadium. Dernier tour. Essayer d'aller rechercher cet Astra sans excéder les track limits. On va pas tout tenter non plus, mais un top 5 ce serait pas mal. Il y a moyen d'aller faire quelque chose. Et voyez tout de suite ce sous-virage. On sent qu'on tient sur une silhouette. Hein. C'est une planche de bois, 4 roues et une tubulure au-dessus. Impressionnant aussi la lame et l'aéro de cette auto. On en dépend énormément. Allez, final lap. Schneider va sans doute s'imposer. Alors on a peut-être laissé s'envoler notre dernière chance de doubler dans l'épingle. Alors voilà, il y a encore effectivement des effets de carbone qui sont un petit peu légers, des reflets, des textures de tubulure un peu coudées, un peu pixelisées. Mais globalement c'est très très sympa. Oh, j'y vais ou pas? Allez, j'y vais! Oh, il vient me croiser comme un bleu. Ah, j'ai pas la motricité. Ah, et bien, Dunne Brake aura gagné sur ce coup-là. Mes pneus auront eu raison de moi. Alors, est-ce que dans l'entrée du stadium, il y a encore quelque chose à tenter? Non. Pas assez à l'aise avec l'auto. Eh bien, on va en rester là, les amis. On va conclure cette petite course. J'espère que ça vous aura plu. On aura essayé de se battre un maximum avec les IA à 98%. De difficulté, c'était très sympa. Alors pas de setup dans cette vidéo, on y est allé comme d'habitude. Wow, au front, mais en tout cas à glisser et à maîtriser. Voiture très technique, et pour avoir de la constance, à mon avis il faudra travailler un tout petit peu si vous voulez être performant. Allez, on est dans la pit lane. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour le test d'autres modes. En attendant, merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ainsi qu'à la partager, ça m'aide tout autant. Si vous n'avez pas la possibilité de trouver ou de tester ce mode, eh bien, c'est dommage pour vous, parce que franchement, c'est du
très très bon. Si vous aussi vous avez mis la main dessus, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est toujours sympa d'échanger avec vous. Allez les gars, à la prochaine, salut !